Et re tout le monde, re les amis du live et les amis de YouTube. Alors Ger nous a laissé un petit moment, mais je suis en compagnie de Scarjack. Coucou. Salut. Donc autre membre des Difficiles Aventures qui vient un petit peu dans la zone d'Halloween. Ça va, t'as pas trop peur? Un peu. J'ai croisé un squelette en arrivant, il m'a décoché une fraîche. Bon. Sympa l'accueil. Bon, du coup, on va continuer ce petit pont qu'on a commencé à construire. Pour l'instant, on a placé on va dire la forme générale et un pilier qui est presque fini. Ger a payé de sa vie la fin du live. Mais c'est bon, il a récupéré pendant la pause tout son équipement, et puis c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Il m'a laissé aussi sa petite pelle au cas où j'ai besoin d'une pelle avec Silk Touch. Du coup, je vais reprendre un petit peu de matos et puis on va continuer. On peut le casser, cet arbre là, je pense. L'arbre qui est en face, si là, ouais, je pense. Ouais. Au pire, hein, si on veut faire le chemin entre les deux, ça va être compliqué. Ouais, au pire, on en refera pousser un, hein, si on veut remettre des arbres dans la zone. Hein. Alors du coup, j'ai récupéré de la pierre taillée, des escaliers, des dalles. Pierre craquelée, tiens, on peut en mettre un petit peu de la pierre craquelée. Et j'avais vu dans les commentaires tout à l'heure, pierre moussue. Il y a Josindar qui te dit, Scarjack, que ton skin d'Halloween est meilleur que celui de Ger. What? J'ai pas de skin d'Halloween. T'en as un, toi, Oran? Non, mais je pense que, en fait, c'était une joke. C'était pour critiquer ton skin. J'imagine. C'est qui se moque de moi, là? Non, Pierre, au contraire, on se moque de moi. Eh bah, re-gère. Je me demandais, du coup, si t'allais rester en vocal avec nous, mais t'étais déjà parti, j'ai pas pu te demander. Oui, je vais rester en vocal. C'est comme tu le sens, hein, c'est comme tu le sens. Je préfère, comme ça je surveille si vous êtes méchant. Ah! C'est pas un skin, c'est sa tête normale. Sale gueule, le garçon. Hein. Du coup, bon, le pilier, si on imagine qu'on le laisse comme ça, il va falloir qu'on s'attaque à la partie chaussée. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, est-ce que pour se donner une meilleure idée, on fait le pilier à côté? On va peut-être faire le pilier d'à côté parce qu'il va ressembler après tout. Ça devrait pas être trop long à faire. Il faut que je change ma tête en parlant de ça. Le visage ne me plaît plus. Ah. T'as envie de changer de tête? Bah, ouais. Fais pas ça sur un coup de tête. Il sera à quel niveau le tablier du bon? Pas le. Bah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il faudrait qu'on rajoute des éléments en bois, mais là, je sais pas trop encore comment on va les faire. Hop. Et j'ai bien relancé l'enregistrement du replay mode. Donc normalement, c'est bon. Et du coup, oh, Scarjack... des coffres rangés. Oui, les coffres sont rangés, ouais. Du coup, Scarjack, t'as vu l'overlay qu'a fait Ger sur le live? Il est sympa? Oui, très sympa. Très sympa. Très très sympa. J'ai vu ça sur le Dropbox, là. C'est très très joli. Ouais, c'est vrai. Merci. Les nuits blanches. Ah, ça c'est pas joli ça. Les nuits blanches. Ça rajoute vraiment un petit plus. Ouais, bah c'est spécial Halloween quoi. Et ce sera ça normalement pour tous les lives Difficiles Aventures qui vont venir. Alors, je crois que c'est bon, ça on était à la même hauteur. C'est moi ou j'entends un feu d'artifice? Il m'en restait une fusée et je dis bon, je vais la faire partir discrètement en scred comme ça. Et bah c'est raté.
Oh, la pierre moussue, il n'y en a plus beaucoup. La pierre moussue, j'en ai 35 sur... Ah, tu parles en cobble? Ouais. Ouais. Sinon, à la limite, tu peux ramasser, si tu descends le chemin vers la zone des mini-jeux, il y a des arbres qui sont couverts de lianes. J'avais mis des lianes. Donc, avec une cisaille, ah, oui, tu dois pouvoir ramasser le... Tu dois pouvoir ramasser. Qu'est-ce que tu vas ramasser? Bah, la liane. Non, tu vas ramasser. Je reviens. Ok. J'ai pas compris, Gère. Bah, et genre, oh là là, qu'est-ce que je vais ramasser? Genre, Ah oui. Voilà. Ouais. Et puis, waouh, magnifique ce pont. C'est ça. Super. Ah bah, Scarjack est parti, mais je lui transmettrai, Joe. Alors, est-ce qu'il me reste de la bouse? Pas tellement. Mais du coup, on va peut-être pouvoir casser ça, parce que ça va faire moche en plus. Sur le replay. Enfin, je sais pas trop hein, si je ferai un timelapse de tout ça, mais du coup, j'ai mis le replay mode pour... Histoire de dire que si je veux faire un timelapse, j'ai enregistré le truc. Hop, hop, hop. Et du coup, au niveau des drops, je sais que vous avez des freezes un petit peu de temps en temps sur le live, mais en tout cas, au niveau des drops, j'en ai beaucoup moins que quand j'enregistre directement, enfin quand je stream directement avec OBS. Et en fait, c'est parce que là, je stream avec OBS, évidemment. Mais en fait, il y a Dextory qui fait un premier recadrage de l'image, en fait. Tu vois, mon Dextory, là, ouais, il recadre, c'est ça. Il recadre l'image, et du coup, OBS a moins de travail à faire. Et donc, du coup, j'ai beaucoup moins de drops. Et évidemment, au moment où je dis ça, il y en a eu, mais... Manger du Grogwarloom, c'est bon. Exactement. Toute la BO là aujourd'hui, vous allez en manger parce que comme j'ai prévu un petit peu au dernier moment de faire une rediff sur YouTube, je voulais des musiques libres de droit, donc rien de mieux que du Grogwarloom pour des musiques libres de droit qui sont pas strike sur YouTube, sachant que il y a très longtemps, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je lui redemande à nouveau parce que j'avais demandé à Grogwarloom au départ, s'il était d'accord pour que j'utilise ces musiques pour mes vidéos, après pour les streams, c'est vrai que... T'as demandé à Greg, comment on l'appelle, dans le milieu. dis donc Jean-Louis, là, tu vas nous faire un truc bien franchouillard, style américain. Alors je sais pas si t'as vu Scarjack, mais dans le chat, il y a Josine Dark qui dit « Vive les mariés ». Je pense que c'était pour toi. Ah oui, merci. Oui, du coup, j'ai vu. On a vécu ça en stream, la découverte du cadeau. C'était magnifique. Ah, vous avez fait ça du coup? Mais j'ai pas vu la rediff de. Oui. Bah, il n'y a pas eu la rediff d'ailleurs encore de Greby. Je crois pas qu'il ait fait la rediff. Ou je l'ai raté s'il a lancé. D'accord. Ah ouais, donc t'as enfin vu le petit cadeau qu'il t'avait fait. Oui, avec le feu d'artifice, le coffre et tout. D'accord, c'est cool. Il y avait quoi dans le coffre? Et la musique, des diamants, des trucs tout ça. Mais j'ai laissé au cas où, pour la déco, c'était sympa. Mais il y avait surtout une petite musique faite en autre bloc. Ouais, ça je l'avais déjà. J'avais déjà entendu, classe. Ouais. Ouais, ça c'est très très classe. Ouais. Du coup, ma chère et tendre. On a profité aussi. Ouais. C'est cool. Hop. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce pilier ou est-ce qu'il est fait? Plouf. Ah, mais il y a un décalage en fait, j'avais pas fait gaffe. Mais ceci dit, ce décalage, il est pas mal du tout. Alors, j'ai fait n'importe quoi là. j'ai fait n'importe quoi de ce côté-là. Ah non, c'est que c'est pas fini, oui d'accord, c'est que c'est des blocs en cobble. Mais là, vous voyez, il y a un petit décalage entre le côté droit de l'arche et le côté gauche. Mais c'est pas mal parce que du coup, là, il va falloir qu'on fasse un truc dans ce genre-là, une petite courbette. Donc du coup, je vais rectifier ce coin-là. Et ce que je vais faire, du
coup. Mais ça, c'est que un côté du pont. Ouais. Tu vas le doubler. Non. De quel côté tu vas le doubler? Non, 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 il va pas être doublé, non. Ah oui, d'accord, c'est droit, d'accord. Oran, est-ce que tu aurais le lien vers le l'image des profils dessinés? Non. Pour l'édifice d'aventure. Non. C'est pas possible, je l'ai vu passer ce fichier. Je l'ai vu passer cette image. Il était dans la conversation Skype, il me semble. Laquelle? Bah, difficile aventure. D'accord. Mais ouais, non, j'ai pas le lien. Voilà, et du coup, il n'y a plus que là où à finir. Sauf que j'ai plus de booze. Écoutez-le, mais ne le mangez pas, on a encore besoin de lui. C'est vrai, Grégoire Lourme, si vous le mangez, il va nous manquer, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cet échafaudage? Ouh, la petite fléchette. C'est toi? C'est non, lui c'est mais non, il y a un squelette, regarde là. Où c'est? Ah ouais. Bon, je t'accorde le bénéfice du doute. Et il y a un Enderman. De toute façon, je le verrai sur le replay. T'as un Enderman qui nous défonce tout le décor. Il y a un zombie avec une citrouille sur la tête. Ah non, c'est un casque de cuir. Oh, le con, hein. Je devrais aller chercher plus de bouffe. S'en équipe. Non, il les porte à la main, la citrouille. Il l'équipe pas. Ah, je sais pas, ouais. Alors... Du coup, là, c'est pas bon. T'en as une pelle. Ouah ! Ouh, tu fais tout exploser là. On t'a engagé pour le terraforming, pas pour la destruction du décor. Bah, est-ce qu'une destruction de décor n'est pas du terraforming en soi? Quand c'est volontaire, oui. Quand ça l'est pas. Non, c'est le jour d'Halloween que Mojang fait ça. Il met des têtes de citrouille sur les mobs. Y'a pas autre oui, chose c'est le jour d'Halloween? Ah non, c'était. Des sons, peut-être. Ouais, c'était le jour du 1er avril où il y avait des sons à la con. Ouais. Grass, grass, grass. Water, water. Ouais, c'est excellent ça. Stone, 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 stone. Quand il pleut, rain. C'est excellent. Alors, je sais pas si vous avez vu dans mon inventaire, mais on va manger varié. Hein. On a des pommes de terre cuites, du mouton cuit, du steak et du poulet et du poisson. C'est quand même mieux que de manger à varier. Ouais, c'est ça. Le terra exploding. Ouais, c'est pas mal. Comme terme. On en a déjà fait. Oui, tout à fait. Bon, alors du coup, là, je pense que les deux arches sont pas mal. Bien sûr, elles sont pas tout à fait finies. Alors, je voulais mettre donc du coup de la stone craquelée à certains endroits. Oh là 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 là, faut toujours travailler avec des échafaudages en bouse, c'est chiant. Tu sais d'où il vient le chemin, au fait, Scarjack? Non, non. D'accord. Moi, je... Ah, c'est un chemin particulier, c'est pas directement en ligne droite à partir du truc, là? Attends, t'es où? Ah, t'es là. Ce chemin-là, en fait, tu vois ici, là? Oui. Tu vois, il peut pas aller en ligne droite, du coup. Faudra faire un petit virage à certains endroits. Ah d'accord, parce que moi j'étais parti pour genre on sort de la maison et paf, direct on va sur le pont quoi. Ah donc non, non. J'étais en train de terraformer. Ah ouais, mais prévenez les mecs, prévenez. Ah oui, là t'as... Ah oui, là tu je fais un truc au cordeau là. Bah ouais, je vois ça, ouais. Ah non, 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 fais pas un truc dégueulasse. Alors, il y a Jérémy qui demande « Oran, vas-tu mettre la 1.9 sur le serveur ?» dans l'absolu, oui, on va mettre... Ah oui, mais t'as tout coupé, il y avait un autre arbre ici, là. Bah ouais. Mais je n'ai pas cet arbre. Oh, le mec, il me pique mon boulot.
Prévenez les mecs, prévenez. Voilà, je le repousse, il va repousser. Donc du coup, oui, non, il faut faire un truc souple, un virage calme, démarche, fais un chemin irrégulier. Et puis irrégulier. Et ce que tu peux faire aussi, ce que j'avais pensé en fait, tu vois, comme là le chemin il va partir un peu dans les airs, c'était prolonger un petit peu cette structure là d'arche, qui est sympa. Ah. Oui, tu fais comme tu veux après, mais c'est ce chemin là qui va revenir jusqu'à la... jusqu'au pont. Alors, je voulais prendre de la bouse pour faire des échafaudages un petit peu plus importants. Je vais poser... les pouces. Donc pour revenir à la 1.9, oui, dans l'absolu on va y passer déjà il faudrait que la 1.9 soit sortie, mais c'est surtout que en termes de, enfin, on est de plus en plus nombreux sur le serveur à faire des vidéos et les modes qu'on utilise pour faire des vidéos, et pour n'en citer qu'un, le replay mode, sont juste phénoménaux pour faire des vidéos et j'aurais du mal à m'en passer personnellement, mais on verra, parce qu'il y a aussi des ajouts déjà d'ores et déjà annoncés dans la 1.9 qui sont très intéressants. Par exemple, tout ce qui concerne l'end, avoir des nouveaux blocs, tout ça, moi ça m'intéresse bien. Ça, je retrouve plus du tout ce fichier. Qui c'est qui l'avait, le fichier source? C'est Tidus. Ah, c'est pour ça. Il a dû le mettre dans le mumble, à tous les coups. Et du coup, bah, pas de traces. Je suis pas sûr. Pas de palais. Dans le mumble. Et pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Je vois pas où il aurait mis ailleurs, par contre. Bah, je ne sais pas. Vous avez vu comme moi là, j'ai posé un bloc de... Oh là. Ouh, c'était des coups de lag ça. De toute façon c'est pas grave, je voulais en mettre deux. Je pensais que Jar avait mis une carpette. Je pensais que t'avais mis une carpette pour pas que ça pop. Mais en fait non, Flemmard, t'avais mis un bloc de laine. Hein. Non. Oui. c'était pour remonter quand j'étais coincé en fait. Ah purée. Que je rajoute du détail un petit peu. Ah, plouf. Ah, c'est dommage, j'aurais bien réutilisé ça quand même. Parce qu'en fait, du coup, t'as pas sauvegardé le fichier, c'est ça? Ou t'as pas sauvegardé. Ou t'as sauvegardé le fichier, mais il te faut vraiment un fichier plus détaillé? Non, j'ai pas du tout sauvegardé le fichier. Je peux même pas travailler avec un truc dégueu. D'accord, bah moi je dois l'avoir quelque part. Si tu veux, pendant la pause, je regarderai. Mais s'il faut que je l'upload là avec le stream, je préfère que ce soit fait pendant la pause. Pas de soucis. Ouais, bah ça rend bien avec les blocs moussus et craquelés là. Ça rajoute un petit peu de variété sur les blocs. Le dieu creeper a encore frappé. Et ouais, le dieu creeper, c'est vrai que pour Halloween, le dieu creeper, ça aurait pu être pas mal aussi. Ouais. Hop. Bon, alors je sais pas trop comment faire le pont, ouais, en bois ça va pas être simple en fait.
pense que ça suffit. Ça suffit. Vous ne passerez pas. Mmh. C'est pas trop mal. Oui. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Le dieu Creeper est dans ton cœur. Donc il est pas droit. What? Qu'est-ce qui t'arrive? Et tant qu'il est pas dans ton jeu, on ne continue pas. Non, non, j'ai rien dit. Oh, t'en as pas pensé moins. Hein. En fait, ce qui me gêne avec le bois, c'est que j'aurais bien vu des poutres. Le problème, c'est que les poutres... Chut. Les poutres, le problème, c'est leur texture qui n'est pas uniforme, en fait. Poutre, poutre la loutre. Voilà, c'est le seul clin d'œil que je ferai à Bob Lennon de toute ma vie. Ah, la loutre. Alors, du coup, les poutres. Bon, de l'acajou, non. L'acacia, le problème, c'est qu'on pourra pas cacher le orange partout. Donc, il nous reste le bois de chêne ou le bois de sapin. Je serais plus tenté sur le bois de chêne noir. Enfin non, ceci dit, on a le chêne normal, mais... Chêne normal, je suis pas... Je suis pas convaincu. Faudrait mettre des trolls sous le pont. Des trolls? Ou des toiles? Alors, on va reposer un petit peu de blocs. Pas là. Ça, les silex, on s'en fiche. T'as le choix, tu prends du bois d'acaciane ou du bois d'acajujou. Oh, le gars, il fait des blagues dans le chat et il le fait à l'oral après. Ah ouais, grave, mais j'étais pas sûr que tu le lises, c'est pour ça, je me suis dit, si tu perds ça, voilà quoi, c'est la fin quoi. C'est la fin, ouais, donc du coup, ouais. Alors les trolls sous le pont, le troll sous le... Non, par contre, ah ouais, ça peut être sympa de faire un truc qui sort de l'eau sous le pont. Comme quoi, par exemple, je sais pas. Je sais pas. Un monstre, tu le connais? Ouais, le bois, c'est pas évident en fait. Je sais pas trop comment le caser en fait, le bois. C'est-à-dire que il faut, si tu veux mettre des poutres de support, faut mettre au niveau des piles, parce qu'ailleurs ça aura pas de sens. Ouais, non, comme ça je passe pas. Du Scarwack. Mais pas mal celle-là. Oui, enfin moi je l'ai fait en français ma blague. Hein. On n'est pas en anglicherie ici. du Souchen, voilà. Du Souchen si tu veux faire une blague avec le Wack. C'est marrant. Puis ça reste dans l'idée quoi. Ouais, je réfléchis là, je sais pas. Et je reste planté là. C'est ça. Et toi, ne font plus les hommes. Donc toi, tu voyais plus des poutres à la verticale, Ger. Pas du tout. À la perpendiculaire de celle que tu as posée, mais toujours au niveau des piles. Comme ça. En fait, dans ce sens-là, à condition peut-être que pas sur les sur ça, mais imaginons.
Ouais, pas parce que non, pas dans ce sens. Je te fais galérer. Ouais, un truc comme ça en fait. Alors attends, j'attends le... Non, ouais, ouais. pas du tout, tu n'y es pas. Bon, ok, je me connecte. Ceci dit, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal, mais c'est pas si bien. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas ce que tu veux dire, justement. Le truc, c'est qu'avec le pont, avec la hauteur du pont, c'est... Si tu veux, la pile et la courbure se justifient par le fait de le supporter, de supporter un ouvrage assez lourd. Le bois, de rien, ça pèse. Du coup, ça, c'est idiot de rajouter des trucs en plus au-dessus, parce que plus tu rajoutes de poids, plus il faudrait que les piles soient costauds. Et là, en l'occurrence, elles sont très très ouvragées. Je sais pas si tu... Ouais. Mais j'arrive. Ok. Mais je vois pas, en fait, j'ai du mal à voir comment ajouter des poutres. Après, du bois, là, on peut travailler avec. Attends. Là, attends, j'arrive. Gère la rescousse. Oh, gère notre sauveur. D'accord. Très. Et bon. Du coup... Ouais. Très bien. Ensuite, le pont viendrait... Ouais. Par-dessus, comme ça, tu vois. Alors, je sais pas ce que ça donne... Très bien. C'est vraiment la seule intégration du bois que je vois dans le pont qui fasse pas un petit peu bizarre. J'enlève juste les dalles, mais ouais, je suis assez convaincu. Et salut Gribi. Salut Gribi. Je suis convaincu, Gère, tu m'as convaincu. Et dans convaincu, il y a... 20. Et ouais, convainc même. Vaincu. 20. Ah, je me tais. Stop. Non, vous oubliez les 40 dernières secondes de votre vie. Voilà. Merci. Du coup, si je pouvais oublier plus que 40 secondes de ma vie. Oh. Un coup de pelle. Hâte de me rouler des pelles avec ta scapelle fortune. Ah, tu te demandes comment je sais, hein. Ah ah. Tiens, volé moi. Je connais la scapelle fortune. Ah, tu peux. T'as un mode qui permet de voir mon équipement? Ouais. Enfin, le nom de mes équipements? Ouais. Ouais, du coup, ça c'est bien. C'est très bien, là. Gère le coup de mettre à la perpendiculaire, mais. Voilà, cette perpendiculaire-là. Par contre, du coup, maintenant il faut réfléchir à où est-ce qu'on met ces petites tranchettes de bois, là. Les dalles? Non, je parle pas des dalles. Ah, tu en mettrais que deux, toi, poutres comme ça, de bois? Non, moi j'en mettrais un peu plus. Bah, oui, tu peux en mettre. Tu peux en mettre juste avant l'arrivée. Côté jardin. En fait, ici, il faut travailler. Ici, merde. Pas dans ce sens-là, mais il faut travailler la courbe ici, en fait. C'est ça, Marco, je suis monsieur mode, mais pas à la mode vestimentaire. Mais c'est aussi la mode à petit prix ou... C'est ce que j'allais dire. Oh là là. Fatigué. Bah écoute, Immuse. Oui, la mode à petit prix, parce que tous les modes sont à prix coûtant. Je fais tous les modes à prix coûtant, je vous prépare des vidéos dessus en plus. Vous serez gâtés, bientôt tout le monde aura des sessions modées complètement lagueuses. Ce sera le bonheur. Bon, il commence où ton plateau? Oh, purée l'araignée. Faudrait que tu mettes Mobend. Belle brochette là-bas. Moi c'est Oran, ouais. Ouais.
Faudrait que tu mettes mot ben parce que ça fait vraiment ambiance Halloween quoi, les... avec les araignées là. D'ailleurs. Ah oui, c'est les araignées qui ont une drôle de forme, c'est ça là ? Enfin, une drôle de forme. Mm-hmm. Une drôle de... Bah, qui ont la vraie forme quoi. Et les zombies aussi qui courent en avant. C'est quoi ce mode ? Mobend, en fait, c'est ça rajoute des animations dans les personnages, c'est-à-dire que du coup, ton personnage, visuellement, il bouge comme bougerait un personnage de Minecraft animé dans une cinématique. Donc c'est plutôt pas mal. GR, c'est quand tes premières vidéos ? Question dans le chat, très intéressante, oula, qui sera rediffusée. Alors on m'appelle, j'ai laissé la porte de l'escalier de la douche ouverte, au revoir. Une crêpe fromage esquive. Quand mes premières vidéos, normalement un jour. Février 2016 environ. Avant 2017. Méfie-toi, ça va venir vite 2017. Hein. À la rentrée, promis. J'avais annoncé pour les vacances, mais pour les vacances, ça a clairement été pas possible quoi. Par contre, la rentrée, promis. Vous pourrez bientôt critiquer, mettre des pouces mettre rouges, des pouces, des trucs comme ça. Voilà. Il commence où alors ton plateau ? Mon plateau. Le tablier. Bah là. C'est clair que... Là en fait, ici là, à peu près. Je sais pas. Mais ici. Ça dépend là, il va falloir qu'on place du bois en fait, on sait pas encore trop. D'accord, donc en fait je suis descendu pour rien, on a pu faire un truc droit. Non mais c'est pas grave, c'est sympa, ça donne du... Non ! Oh mais Ger, il casse tout le décor. C'est pas moi, c'est le Creeper. Oui, il a le dos large, le Creeper, il a bon dos. Hey, ma crêpe. Donc du coup on disait qu'on pouvait mettre une poutre. Genre... Et la poutre ? Il y a combien de... Oh, je suis obligé de terraformer maintenant. 1, 2, 2 blocs. Donc genre ici. Peut-être un petit peu plus haut du coup. En plus, le pire avec le avec le mode, c'est que je suis averti quelques secondes. En fait, j'ai une icône de dynamite qui s'affiche quand le creeper est derrière moi. Donc je sais que je vais mourir, mais je peux rien faire de plus. C'est triste. Hashtag tristesse. RT, c'était triste. RT, c'était triste. Redonne-moi une dernière fois le nom du mode, que je le télécharge. Alors, le mode pour l'animation des mobs et du personnage, c'est Mobend, je crois. Et le M-O-B-E-N-D mode... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mobend. Il y a une version 1.8 qui est dispo, il me semble. Et pour l'affichage des armures de la personne, enfin l'affichage de ce que l'outil, du nom de l'outil de la personne, ses cœurs, etc., des effets de potion, c'est Better PVP ou Better UHD, un truc comme ça. Alors Kinox, le nom de ma playlist c'est Grégoire Lourme. Si tu cherches Grégoire Lourme sur Jamendo, tu vas trouver tous ses albums. Et donc je t'encourage à aller l'écouter. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Ouais, c'est pas mal ça. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Pendant que Ger répare le terrain de ce côté-là. Et ça s'installe juste dans le dossier mode. Ouais, tout à fait, ouais. Ce sont des modes, c'est que des modes clients de toute façon. Et ça n'affecte que le visuel. Pas du tout le gameplay quoi. Bon, il y a certains glitchs entre certains modes. Normal. Ça peut potentiellement baisser les FPS aussi. Ça rappelle le modding sur
la série des Elder Scrolls. C'est ça. Je sais pas, j'en ai pas fait. Ah, ah, ah. Tu devrais. Elder Scroll, c'est... Morrowind, Oblivion, Skyrim. Ah oui, oui, oui. Oblivion, à l'époque, j'avais un pote qui était bêta-testeur. Enfin, qui n'a pas de bêta-testeur, mais il était testeur de jeu pour je sais plus quelle boîte. Et il me l'avait montré, et ça m'avait semblé le plus beau jeu du monde. J'avais jamais vu de graphisme aussi bien fait à l'époque. Skyrim, tu parles ? Oblivion. Non, Oblivion. Ah, Oblivion. Et voilà. Et du coup, je me t'ai dit qu'on était bien loin du bon vieux RPG en 2D ISO, quoi. Ouais, sachant que, pour le coup, Oblivion, ça a pas très bien vieilli, question graphisme. Sauf avec les mods. Oui, avec les mods. Ah, oui, en modding, ouais. Ouais, c'est comme Morrowind, hein. Sans les mods, ça a pas très bien vieilli non plus. Mais bon, Skyrim et le projet, est largement et le projet Skywind, que... alors. Ah ouais, ouais, ça avance, je crois. Mais le projet... Eh, c'est cool, en fait, on pourrait presque faire un pont à moitié suspendu. Enfin, bon. En un mot. Ah, ah, ah. Surtout qu'il paraît que... Hashtag censure. Le jeu du foulard, vous connaissez. Faut pas y jouer, hein, c'est pas bien. Non, on donne pas des trucs comme ça. Du coup, après, donc on va mettre des planches. Non mais Zaymon, je parlais de l'époque. À l'époque où c'est sorti, à l'époque, les plus beaux graphismes, ce que j'avais vu, c'était Diablo 2, quoi. Ah, Oblivion, c'était très joli. Les doublages étaient foireux, mais c'était très joli. Je vais chercher des escaliers, des dalles et des blocs en bois de chêne noir. Je pense qu'on va essayer de partir sur du chêne noir, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? On l'appelle l'île noire. Quelqu'un trouve la référence ? Tintin. Oh, joli ! Quel épisode ? Bah, l'île noire. Ben oui, c'est dans le titre abruti. Oui. Alors, j'aimerais poser mon puzzle. C'est raciste, Tintin, de toute façon. Pas les dessins animés. Non, pas ah bah trop. Non, ils ont fait ça bien. Ouais. Ils ont évité la correctionnelle. D'ailleurs, en parlant de Tintin, Tintin de Tarascon, les droits étaient détenus par la fondation Hergé, je crois, qui en fait était constituée par la famille d'Hergé, qui avait bloqué tous les droits d'auteur. En gros, dès que tu disais Tintin dans une vidéo, tu montrais une case de Tintin dans une BD, tu leur devais 10 000 euros en procès, quoi. Ils ont fait des tas de procès, des trucs abominables, où les artistes qui voulaient inaugurer et pas s'approprier le travail ont dû cracher des trucs monstrufiants. Et récemment, il y a un mec justement qui avait été attaqué par la fondation à propos d'une publication dans un fanzine, tout ça, et il a sorti un document officiel signé de la main d'Hergé de l'époque, qui en fait cédait les droits d'auteur à Dupuis, je crois. C'est ça ? Non. Casterman. Ouais, bref, l'édition des Tintins. Et qu'en fait, c'était libre de droit. Et que du coup, royalties, zéro. Ma cash. Et donc, tout potentiellement, tous les procès qu'ils ont fait depuis le début, là, la famille, vont potentiellement devoir tout rembourser. Ah, dur. Effectivement. Ouais, dur, mais en même temps, c'est la loi. Enfin, voilà, quoi. Le truc... Je suis désolé, les gens ont fait beaucoup de dommages à ça. C'est quand même un truc fondamental dans la BD. Alors que sa famille en faisait un business de revenus, quoi. C'est honteux. Je m'insurge, je m'inscris en faux. Oula,
Oula oula. Ah oui d'accord. Ah de cette façon. Attends, j'ai pas fini. Mais de cette façon-ci. Là on marche sur la poutre là. Oui. Mais on marche sur la tête, mon beau monsieur. À moins que tu veux pas la mettre pour de vrai. La mettre. Tu veux pas la mettre? Bah, tu vas laisser juste les bords. Hashtag notre coffee. Je comprends pas en fait le creusement. Je ne sais pas. Je veux faire un chemin creux. Ouais, mais pourquoi tu le fais pas un bloc au-dessus? Parce que j'avais peur que ça soit trop haut, non? Bah oui, mais le souci c'est que là c'est dans la poutre. Et ce n'est pas possible. Essayons. Après toi, c'est après tout possible. Après tout, c'est toi le charpentier. C'est ça. Mais ouais, du coup là après, ouais. Bah dis-moi. Non, vas-y. Voir, de toute façon, je pense qu'après, du coup, il va falloir faire un. Pour dégrader, je sais pas comment faire. Alors, je verrais bien un petit dégradé avec une petite couleur. Qu'est-ce que c'est que ces clichés? Quel cliché? Ah oui, non, tu mets une coiffeuse. Mais oui. Mais non, ouais. Attends. Pas de. Non. Du respect. Toujours du respect. Pas de cliché. Respect, je l'ai mangé, quoi. Ma bite, sors ton front. What? Mais boule sur ton nez, ça te fait des Ray-Ban. Les couilles qui pendent. Mais qu'est-ce que vous racontez? T'as vrai, tu mets ta gueule. Qu'est-ce que vous dites? Passage à couper en live. Mais il n'est plus de bois bientôt. J'en ai. C'est la concentration. C'est quand la concentration? C'était en... Le travail est libre. One point, Godwin. One point. Viens voir, Ren, dis-moi ce que t'en penses de faire de cette façon-là. Ouais. Merde. Regarde de l'autre côté ce que j'ai fait. Et je connaissais pas forcément cette truc. Mais là, il y a un truc spawnable. Du point Godwin, et alors j'ai regardé ça. Ah oui. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé en termes de spawn. Après, tu peux, en reposant une dalle au-dessus, hein, tu peux faire comme. Non, ça faisait pas beau une dalle au-dessus. Faisons simple. Du coup, plutôt l'arête franche, comme ça, avec l'escalier normal, ou plutôt l'arête en angle, avec l'escalier en bout, comme j'ai fait là. Je préfère comme ça. Alors, par contre, pour les longueurs, il va falloir calculer. Je fais ça au pif. Je vois ce que ça donne en bas. Poupi 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 pou.
Ouais, ça va, c'est classe. Ouais, ça va en bas. Je vais. Ouais, ouais, ouais. Okay. Là. Pour moi, ça donne un bon aspect. Hein. Ça, sacré pont quand même. Gère, enfant depuis 1990. Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Je suis plus vieux. En fait, Gère, il a 53 ans. Alors, les jeunes, qu'est-ce que vous construisez ? T'as fait quoi, Gère, au niveau de la... J'étais un cliché ? Je crois que j'ai fait de la merde. Combien de largeur, tu veux dire ? Non, non, à quel moment t'es monté ? Mais à quelle poutre, déjà ? Montée, poutre... Ah, j'ai mis... Ouais, il y a des déviances au niveau des discours, je là. Je crois que j'ai mis comme ça. Je suis sans en être sûr. Et après, là, on descend. Et là, escalier, ouais. Et t'as mis quoi dessous ? Rien pour l'instant. Rien, rien, rien. Okay. C'est juste... J'ai en mis fait, Chantal. J'ai commencé à faire pour la forme, mais ouais, il va falloir faire des... C'est déjà faudage, genre... Caca. Il a mis Chantal, là-dessous. Chantal, là-dessous... Je ne perçois pas l'astuce. Ah, bah, il faut connaître. C'est une humoriste française. Actrice humoriste française. Ok. Ah, je suis sûr que si tu l'entends, si tu écoutes sa voix, tu diras « Ah oui, c'est elle. » Probable. En deux. Probable. Certain. Possible. Champignon. Oui, oui, c'est ça. On soit avec Camoulox. Il a fallu encore, Gère, que tu places un bloc de laine. Et là, oui. Moi Pikachu. Non. Si. Vous avez 4 camemberts en banque et Jean-Marie Bigard vous fait une manchette. Carte mystère, vous avez 30 secondes d'imitation de genre de par... Alors, on est pas bien là, la couille. Et oui, bravo. Ah là là là. ouais, c'est pas mal. Je rentre chez Dark Vador et je mets du master dans son casque. Et non, vous ne pouvez pas, vous avez la libellule en contrepartie. Je rentre chez ta mère et je fouille dans le cul du chat. Il n'y aura pas de rediffus sur YouTube, je crois. Non, on est passé à un Peggy qui n'existe pas pour YouTube, quoi. Ça va faire crasher la vidéo. Alors, du coup, à mon avis, il va falloir qu'on. Je reviens à la construction Minecraft un petit peu. Oui, oh, un peu de sérieux. Oui, ce qui paraît, c'est intéressant. Bon. Si on met un truc dans le genre. En deux briques, barbecue. Mmh. Je sais pas, Darkbane, je sais pas. Non. En fait, on lui donne des sous chaque mois. Bon, je déco un petit peu, il faut que je finisse le truc. Ok. Merci pour le coup de main en tout cas. Et merci pour le point Godwin. Ah bah y'a pas de soucis hein, pour poser du bois ou casser du bois, je suis toujours là. Hop. Je me demande on si a plus de mycélium dans les... Dans les coffres ? Si, si, si. Il n'y a pas du célium entier ? Oh là là là. What ? Ah, oh, c'est bon. un creeper juste à la sortie de la maison.
Ah ouais, et c'est la chute. En tout cas, c'est très l'orage. Encore, mais c'est très la zone orageuse ici. Hein. L'orage au désespoir. C'est plutôt ambi... au vieillesse ennemi. N'ai-je donc tant point vécu que pour cette infamie? Alors, qui me retrouve la citation? Victor Hugo. Hamlet. Ah, peut-être Shakespeare du coup. Non. Mais Victor Hugo, t'es... Baudelaire. Y a de ça. Voltaire. Oh, ça n'a rien à voir avec Victor Hugo, Voltaire. Bah, il a écrit des bouquins. Bah, c'est pareil. Si j'ai dit Victor Hugo plutôt que Shakespeare, ça donne une indication sur quoi? L'époque, la nationalité. Bah, la nationalité déjà. Belge alors. Belge? Suisse. Victor Hugo est pas belge. C'est ce qu'on t'a fait. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Non. Oran, du coup, je suis en train de regarder ce que tu fais dessous. Ça m'a l'air merdique. Non. Je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas convaincu. C'est, j'aime bien. Le problème, c'est que tu colles la pierre directement au bois. Et du coup, on n'a pas de transition dans les changements d'étage. Ouais. Il faut une transition, quoi. Il faut absolument mettre des escaliers. Bah, c'est ce que je fais. Je mets des escaliers. Exactement, Marco. Pas le chanteur. Pas ce qu'on vient de loin. Non, qu'est-ce qu'il chante déjà, Corneille? Nous sommes notre propre père. Nanana, tout ça. Non, je suis d'accord, j'aime pas non plus le... Mais oui. je peux pas faire autrement là pour l'instant. Sinon, il n'y a pas de transition. Comment tu veux que je mette des escaliers sinon? Ils sont de ton côté de toute façon. C'est pas tes ennemis. Ce sont des escaliers. Je suis plus là. Mais je suis d'accord, j'aime pas non plus. Ça fait une coupure trop lisse. Mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Je vais pas laisser de vide. Soit on rehausse tout, faire du vide, il faut faire une transition. Non, faire une transition avec le bois sur les... Hein, voilà. Tu m'as compris? Non, j'ai rien compris. Et une transition sur le bois, je vois pas comment la faire là. Ben, d'étage à étage en fait. Au moins mettre des escaliers pour faire les transitions. Oui, mais escalier en quoi? Dans le même bois. Comme ça? Parce que ouais. Enfin, comme ça, j'ai du retard. Oui, t'as du retard. Ouais, mais pas à ce niveau-là, là, ça va pas. Ma femme qui disait ça l'autre jour. Non, mais non, pas comme ça. Bon, je peux reconnecter. Ouais. Oh là, il y a des bugs d'affichage. Je vois plus les coffres. Là? Non, c'est depuis que j'ai mis le mode Mobend. Ouais, ouais, de temps en temps. Sur certains angles, les coffres ils sont plus là. Ouais, de temps en temps, faut faire F3. L'œil était dans la tombe. RD, quand? Alors, l'œil était dans la tombe, c'est Franck. Non? Sinon, il y a cette possibilité-là, mais je suis pas convaincu. En fait, moi, ça me pose problème que c'est... Merde, c'est pas grave. Que ces planches... Ah, il pleut encore? Mais ouais, c'est l'orage. Qu'est-ce qui te pose problème, mon petit? Bah, ces planches-là, elles sont moches comme ça, là. Mais elles sont moches parce que voilà. J'ai pas trouvé autre chose à dire, en fait. Soit tu m'aliserais avec des trappes pour cacher le côté des planches,
soit tu laisses, soit tu mets des, bah, de la brique. Enfin, de la brique. Enfin, en même temps, c'est toi qui voulais faire l'intérieur du chemin creusé. On peut très bien mettre la, ça dans l'autre sens. Des escaliers comme ça. Ou c'est toujours aussi moche pour toi? Parce que du coup, pour la transition, moi je pensais plutôt à ça. Ah. À voir. Voilà, là on a une transition plus douce entre le croisement des. Oui, ici d'accord, mais le problème c'est pas la courbe du pont, le problème c'est l'épaisseur. Ben, l'épaisseur, si tu veux garder ton chemin comme ça, tu le gardes comme ça et tu trouves une astuce sur le côté pour le camoufler. Toi, tu voulais mettre un truc comme ça, du coup? Ben, non, pas vraiment, mais... Bah si, c'est ce que tu disais. Tu préfères comme ça, toi? Sur le côté? Allô? Ouais, non, je réfléchis. Je sais pas. Non, j'aime pas. Eh ben, il faut le remettre comme c'était, mais il faut trouver une... Il faut trouver quelque chose pour le mettre sur le côté. Non, mais ce qui me gêne, c'est carrément le bois, en fait. La couleur? Ou l'épaisseur? Non, la matière. La matière... En fait, ce qui... Mais le zombie, tu veux le faire... pousse-toi... Tu veux le faire en pierre, le pont? En fait, là, ce qui me gêne, moi, c'est la transition entre la brique qui est en dessous, qui est censée supporter le bois, ouais. Et les planches de bois horizontales. À la limite, les travées comme ça, là, ça va. Mais là, les travées horizontales, elles sont moches. Enfin, ça fait pas joli, quoi. C'est pour ça que soit tu le fais en... Soit tu mets un truc pour camoufler, soit... Ouais, mais le problème, c'est que si on... Soit tu le fais dépasser. Tu fais dépasser la pierre. Ah, c'est ce que moi, c'est ce que je fais, en général. C'est ce que je faisais tout à l'heure avec les escaliers. Mais, je faisais dépasser la pierre. Encore. Bah ouais, mais là, après, ça fait un pont trop large. Bah, trop large, pourquoi? Moi, je serais bien resté sur du 3 de large, seulement. Là, on passe à 4. À 5. Mais on passe à 4, mais si tu rajoutes les barrières... Tu restes toujours à 3. Là, si tu mets des barrières. Comme ça, imaginons. Imaginons que ce seront les barrières qui iront sur le côté du pont. Bah c'est bon, puisqu'en plus elle repose sur quelque chose de dur. Mais du coup on voit plus le bois. On voit plus le bois, ouais. Ou alors tu peux le faire en liseré. On voit encore le bois. Comme ça, et après tu mets une dalle, et puis tu fais ça tout le long, et du coup il y aura un liseré de bois, une ligne discontinue tout le long qui rappellera ça. Pourquoi pas? Je sais pas, j'essaie de trouver une. En fait, le souci, en fait, je pense. C'est qu'on a qu'on a la pierre et le bois sur la même ligne, en fait. Il n'y a pas de décalage. Et tu veux qu'il y ait un décalage à quel niveau? Je ne sais pas, mais pour moi, le plus logique, ça serait à la limite que le... Comme ça? Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Non, mais là, le problème, c'est que c'est trop loin du pont. C'est-à-dire, c'est trop loin? Bah, il y a un bloc de vide. Ah, mais ça, tu retravailles le... Bah, il n'y a pas la place de dessous. Retravailler. Regarde, là, l'épaisseur qu'on a, là, ici, au niveau de l'arche. Ou alors, ça veut dire qu'il faut décaler complètement le chemin. Mais du coup, on perd en finesse, en fait. C'est ça qui m'embête. On perd en... Le pont est plus épais et le pont est plus large. C'est ça qui m'embête. Est-ce que ce stream a déjà été dans... Est-ce qu'on a déjà été dans la finesse dans ce...
question qu'on peut se poser. Ça dépend si on parle de tes attributs. Eh ben, salut Zemon, merci d'être passé. Salut. Ciao. Comment on fait déjà la pierre sculptée? Pierre sculptée avec un carré au milieu, c'est ça? Ouais. Tu prends deux dalles de stone brick. Ouais. C'est comme pour le gris. Sauf qu'il y en a 50 millions, ça va. Je comprends. Soit tu élargis la base comme tu l'avais fait en décalant d'un bloc et tu retravailles le dégradé du dessous. Soit tu, je sais pas, tu camoufles avec des trappes, quoi. Non, je veux pas mettre de trappes. Ah ouais, d'accord. Comme ça, quoi. Alors là, on voit plus beaucoup le bois, je suis d'accord. Ben ouais. Mais du coup... Le chemin, il fait un de large. Techniquement, il fait 2 de large. À peu près. Un peu. Quoi? Quoi donc? Il fait 2 de large. Pardon, excusez-moi. Des barrières à l'autre. Oui, non. Au niveau de la tête, oui. Au niveau des pieds, ça fera qu'un de large, quoi. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je m'étais fait taper. Attention. Attention derrière toi, c'est affreux. La 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 la. Il ne peut plus rien. Ah, non. Eh, hey, mon XP. Eh, hey, motherfucker. I gotta kick your fucking ass. Eh, hey, McFly. J'avoue que je ne sais pas trop en fait. Le bois, le mélange du bois et de la pierre là me paraît pas idéal. Là. À moins que tu fasses l'inverse. Merde, c'est tombé. C'est tombé, c'est foutu les gars, c'est foutu. Mettre la pierre au milieu et le bois sur les côtés? Non, mais non, justement le problème c'est les côtés, c'est pas le milieu. Là, est-ce que ça fait trop visuellement bizarre? Parce que là, tu peux rajouter des escaliers. Mais pourquoi tu veux pas laisser les escaliers comme je les avais mis à la hauteur où je les avais mis? Ça revient même. Enfin, ça revient même. De toute façon, ta finition, c'est soit tout pierre, soit t'auras la confrontation bois-pierre sur le côté. Il faut savoir déjà ce que tu veux. Ah, ou un truc comme ça. Aïe. Ouais. C'est des dalles que t'as mis, c'est ça? Ouais, ou des escaliers à l'envers à la limite. Ouais. Je vais voir ce que ça donne. Mais je crois qu'il y a un souci là sur la courbe. J'ai dû casser un bloc qu'il fallait pas. L'escalier en bois que t'as mis à l'envers là, il est pas... C'est bizarre. Ouais, parce qu'il se connecte avec l'autre en fait. Ouais.
Ils ne devraient pas. Non, mais je suis pas sûr en plus qu'ils doivent être là. Ça se trouve, j'ai cassé un bloc ou j'ai mis un bloc qui aurait pas dû. Ça rend comment ? Ça fait bizarre, il y a un trou. Oui, non, mais après tu mets une pierre de l'autre côté. Tu mets une pierre au milieu. J'en ai pas en fait. Ah d'accord. Comme ça rajoute de la profondeur. Non, je suis désolé les amis, mais je vais devoir vous laisser pour des petits problèmes IRL. Enfin, petits problèmes, pour des actions IRL à faire. Ok, right. Eh ben, merci beaucoup d'être passé. Right, Mike. Bah, je vous en prie, puis si j'ai le temps de revenir avant la fin du live, je reviendrai, sinon... Attends, bah du coup, je vais... voir à tous. Ah ouais, t'as bien fait le chemin, en fait. Sympa. Pas mal. Impeccable. Ouais, pourra continuer la prochaine fois. Ouais, ok. A plus! A plus! Ciao! Du coup. Je sais pas trop. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on a plusieurs matériaux qu'il faut qu'ils se marient ensemble. Tu veux faire du relief et en même temps, tu veux que ce soit fin. Et relief plus fin, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué dans Minecraft. C'est pas tant le relief qui m'intéresse là, pour le coup. Sur cette partie-là du pont, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ça fasse pas souder. Je veux pas que le bois soit parfaitement soudé avec la pierre, en fait. Bah ouais, enfin, je veux pas une surface lisse. Qui où ça fasse tout li... enfin c'est la jointure entre le bois et la pierre qui me dérange, le fait que ça fasse un mur tout plat avec pierre et puis après d'un seul coup planche, d'autant plus que les planches sont pas dans le bon sens, en fait elles seraient verticales encore, je dis pas, mais elles sont horizontales, je trouve ça fait bizarre. Bah à ce moment-là, tout le liseré du côté, tu le fais en bûche. Et c'était mon idée du début. Sauf que ça ne va pas, parce qu'on n'a pas un truc plat. C'était mon idée du début, tu sais, quand j'avais commencé, j'avais mis les bûches comme ça. Parce que pour moi, c'était les bûches, ça faisait bien la limite entre la pierre et le bois. Sauf que là, c'est pas possible, parce qu'on a un pont qui n'est pas plat. Eh oui. Ouais, non, j'aime pas le mélange du bois là, du chêne noir. C'est peut-être le chêne noir aussi. Hein. Le mélange du chêne noir avec le. Avec la pierre, je trouve que ça passe pas. Tu essayes du sapin ? Je suis pas sûr que ce soit une question de bois, ceci dit, mais le sapin il est un peu plus clair. Sinon, je pense que le mieux c'est qu'on fasse des tests. Sinon, sur le côté, tu mets des barrières. Des barrières... Oui, plus que des barrières en pierre, ouais, tout à fait. Non, mais pas au niveau des barrières en pierre. Devant le bois, tu mets des barrières. Comme ça, tu casses la transition. Mm-hmm. Des barrières en bois ou en pierre ? En bois. Ou en pierre, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Je sais pas. Écoute, je vais faire des tests de l'autre côté. Je te laisse continuer si tu veux continuer d'ailleurs, c'est pas obligé. Faire des tests. Moi faut vraiment que je le truc. Vas-y. De toute façon, je pense qu'on va se faire une petite pause les amis. Et puis on se reprend après et on va essayer de résoudre ce petit problème de chaussée du pont. Donc, on se fait une petite pause. Ah non, mais par contre les zombies ils veulent pas me laisser tranquille. Zombies, araignées. Là, faudra retravailler ça. Je pense qu'il y a trop de blues là. Enfin bref, peu importe.
Du coup, c'est bon l'araignée, t'es bien sur le pont là-bas. Allez, petite pause et on se retrouve. A tout de suite.